Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Diamantar Club. Alors la toile qui est dans cette boîte, je ne pensais pas la prendre, je la trouvais jolie mais je pensais ne pas la prendre parce que c'était pas un coup de cœur. Et au final je l'ai pris parce qu'elle avait quand même beaucoup baissé, le prix avait bien baissé et du coup ben, je l'ai prise. Hop. Alors la toile d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, si j'ai la traduction, je l'ai bien fait. Le Yorkie et livre magique. Donc, ça doit être un Yorkshire. Je ne m'y connais pas trop sur cette marque-là, sur cette race-là, pardon. Donc, du coup, je peux me tromper. Donc, il est en carré. Il fait 56 par 56 et c'est une toile partielle. Alors, hop, on va ouvrir la boîte et regarder tout ça. Donc, c'est une commande que j'ai faite le 26 mai 2022. Elle a été expédiée le 27 mai et je l'ai reçue le 15 juin. Si j'y arrive, bien sûr. Alors, attendez, je galère un peu. Voilà, hop. Et quand j'ai commandé, la toile était au prix de 25 €. Et avec les codes promo, bah, ça revenait à quasiment rien. Je ne me rappelle plus combien je l'avais payé, mais en tout cas, elle revenait à quasiment rien. Hop, donc j'ai un nouveau toolkit. Un des nouveaux toolkits. Alors, on a, comme d'habitude, notre petit autocollant que moi, je mets au bout des boîtes pour les empiler. Et dans le nouveau toolkit, donc, c'est écrit tout simplement toolkit, on a l'explication de tout ce qu'il doit y avoir dedans. Et on va regarder ça tout de suite. Hop. Alors, je ne le pose pas sur la table parce que la table est levée. Donc, ça risque de tomber par terre. Je le pose juste à côté. Hop, hop. Voilà. Alors, on a un stylet vert avec un embout vert qui va avec. Un embout mousse. On a un multiplaceur de... Oui, c'est bien ça. De 7. Et un multiplaceur de 4. On a la pince fine de Diamantar Club avec écrit Diamantar Club dessus. Voilà, qui est très fine. C'est très bien. Hop. On a nos pancoles qui sont dans leur petite boîte. Nos pancoles en forme de cœur. Donc on en a bien deux dedans. Hop. On a hop, notre barquette. Qui cette fois-ci est totalement transparente, il n'y a pas l'effet dessus. Et elle est vraiment, vous voyez, vraiment, celle-là, si elle tombe, elle est foutue. Par contre, le bouchon est toujours dans le même effet, vous voyez, cet effet un petit peu plus épais, un peu plus blanc. Là, rayure au maximum, déjà rien qu'avec la pince, vous entendez rien que le bruit, c'est horrible. Avec la pince, vous allez faire des rayures comme pas permis, et elle va casser. Donc celle-là, j'aime pas trop, j'aime bien celle qui était juste avant, avec, vous voyez, cet effet de couleur-ci. Là, celle-ci, je n'aime pas trop. Elle fait trop de bruit. On a un cover mender avec en forme de cœur, avec plein de couleurs, hop, avec un très gros aimant dessus. C'est très bien, il est vraiment très très gros. Et on a un washi tape avec... alors, hop, on va défaire ça. Hop, donc voilà le washi tape qu'on a avec, c'est des fleurs, tout simplement. Des petites fleurs. Hop, voilà, et on a nos sachets refermables comme d'habitude. Donc comme d'habitude, je vais les compter pour voir s'ils ont prévu pile poil le nombre par rapport au nombre de couleurs qu'il y a dans la toile. Donc alors attendez, j'essaye de défaire ça proprement, voilà, hop. Donc on en a un, celui dans lequel ils étaient, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On a 21 sachets dans ce toolkit et cette toile contient 36 couleurs. Donc j'ai fait un mail à DAC, je leur ai proposé une petite amélioration, j'ai appelé ça. Je leur ai demandé s'il était possible de faire en sorte d'avoir pile le nombre de sachets. Et s'il était possible qu'ils nous rajoutent la quantité de diamants par DMC. Qui pour les personnes qui font comme moi, qui rajoutent des AB, sachent combien il y a de diamants.
à modifier, ce qui permettrait de savoir à peu près les quantités de diamants pour les commander. C'est vrai que c'est un peu mieux. Alors, on va regarder cette toile. Hop. Oula, je l'ai vraiment mal ouvert. Voilà. Hop. Alors, voyons voir la toile. Ouf. Elle est tellement légère que du coup, j'ai retenu les diamants. Voilà. Ça fait toujours bizarre les partiels. J'aime beaucoup. Donc, pour vous rappeler les partiels, il n'y a pas de colle là où il n'y a pas à diamanter. C'est vraiment un peu rêche, mais il n'y a pas de colle à cet endroit-là. Et sinon, ça se présente comme les autres. Voilà. Hop. Là, vous avez votre partie qui est à diamanter. Je vais y arriver. Hop là. Donc voilà la toile, elle est quand même assez grande, hein. C'est quand même 56 par 56. Pendant que j'ai mon mètre, là je sais que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, on va mesurer l'image, pendant qu'elle est petite aussi, ce sera plus simple. Hop, donc là normalement, ouais, je suis au bout, si je me mets droit c'est mieux. Donc je n'ai pas 56 l'image, j'ai 55,4. Mais ça, je ne sais pas si vous le savez, mais ça, moi, je le sais qu'on n'a pas tout à fait la mesure que Dagdi. C'est vrai qu'il y a l'histoire comme quoi, si, c'est la mesure qui est dit sur le site, que l'on diamante, non. Il y a quelques millimètres qui manquent à chaque fois. Et là, en hauteur, il met 55,5. Donc, vous voyez, même si j'appuie sur le mètre et que ça peut jouer à quelques millimètres, vous voyez, il manque 5 millimètres à chaque fois. Mais bon, ça moi je le sais, je ne sais pas si vous le saviez, mais il peut vous manquer 5 mm de largeur, de hauteur, comme il peut vous en manquer que 2, voilà, il manque toujours un petit peu. Donc on a notre petit fascicule pour savoir comment on fait le DP, toutes les explications, il y a un petit code de 10% dedans, vous avez les applications, les flashcodes pour les applications, et on a notre feuille de suivi. Hop. Donc avec le nom de la toile, le nom de l'artiste, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, de Marilyn Cazenave, si je ne me trompe pas, début de toile, fin de toile, votre image, le fait qu'elle est en carré 56 par 56, sa référence, et vos couleurs. Là j'en vois 38, j'ai marqué quoi? J'ai marqué 36. Je vous redirai si c'est moi qui ai fait une erreur pour taper la couleur, parce que je sais qu'à un moment je me suis trompée. Mais là je vois qu'il y en a 38 de couleurs et normalement je dois avoir 2 AB. Donc on va voir ça, les couleurs qui ont été choisies. Normalement c'est les deux premières, mais là je vois que c'est du noir, donc on va voir ça. Donc j'ai mes 38 couleurs, j'ai bien mes petites étiquettes qui peuvent se décoller une par une. Donc voilà les symboles et les couleurs qu'on a dans cette toile, si vous voulez les voir. Hop, voilà. Alors, on va regarder donc tout d'abord pour vous montrer que ça colle bien. Hop, ça colle très bien. Là où il faut diamanter. Ensuite, nos diamants. Donc, ils sont tout petits, ça fait bizarre. Je défais ça et je vous reprends tout de suite pour qu'on regarde les couleurs. Alors, les couleurs que nous avons dans cette toile, on a le 3857, le 310, le 738. Le 938, le 437, le 3371, le 739, le 436, le 3772, le 632, le 355, le 3777, le 3860, le 779, le 712, le 402, le 814, le 3776 et la deuxième ribambelle, hop, voilà, dans l'autre sens, on a le 407, le 642, le 434, le 898, le 644, le 301, le 3861, le 3856, le 435, le 433, le premier AB, le 103, donc c'est bien un noir, le 640, le 3830, le 3787, le 154, le 3033,
le 221, le deuxième AB, un blanc, le 452 et pour finir le 5550, le 550 tout simplement. Alors, les AB, voyons voir où c'est qu'ils les ont prévus. Donc, c'est quoi les symboles? Le noir, c'est le rond. C'est un rond, tout simplement. Alors, le noir, c'est un point. Un point blanc. Un point blanc, où c'est qu'il y a un point blanc? Déjà, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup à poser parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le sac. Ah, là! Là, c'est sur l'écriture du livre Dark, sur le D, A, R et K. Juste ça. Pas ce qui est là sur la ligne du livre, juste le Dark qui va en AB noir. Et c'est tout. Ok, c'est le Dark, c'est tout. Et le AB blanc, le C, j'en ai un peu là, là, ici, ici, ici. J'en ai un tout seul ici. J'en ai un petit peu là, un petit rond ici. J'en ai deux là. J'en ai un petit rond ici. J'en ai un là, un là, un là. Donc trois dans cet œil, deux dans cet œil, un là, un là. Et voilà. Alors, ils ont fait les brillances sur les bouteilles. Ok, voilà. Ils ont mis le dark en AB noir. Moi, j'aurais peut-être fait aussi le black magie du coup en AB. Pour que les deux soient en AB, ça aurait été mieux. Donc du coup, si vous voulez faire le black magie en... Le black magique en AB. Donc c'est le symbole 4. Le symbole 4, il vous faut du 437. Du coup, bah non, on va pas faire les pages parce que du coup ça ferait trop. Après vous pouvez mettre du 4 un petit peu partout, je vois qu'il y en a un petit peu sur les rainures là. Il y en a plein sur ces pages-ci, il y en a un petit peu aussi ici, ici. Là il n'y en a pas, du 4 je vois qu'il y en a sur l'étiquette là, il y en a aussi ici. Mais bon, si vous voulez juste faire l'écriture, faites juste sur l'écriture. Je vois qu'il y en a aussi sur le Yorkshire, mais bon, c'est comme vous voulez. Moi je pense que je vais faire l'écriture. Je vais pas faire les livres. Au pire, peut-être juste les bandes là, vu que c'est la même couleur que ça, mais c'est tout. Les bouteilles, je pense ne rien faire sur les étiquettes, parce qu'il y a déjà les reflets qui sont mis. Par contre, le Yorkshire, je mettrais bien un petit truc, un petit quelque chose. Je ne sais pas. Puis là, c'est pas les mêmes couleurs dans les oreilles déjà. Je sais pas. Le 1, c'est quoi? C'est du 712. C'est vrai qu'il y a un petit effet de lumière juste là. Ouais, sinon, peut-être que lui, je ne ferai rien. Je mettrai juste le black magie, le symbole qui est là. En AB, c'est tout. Ouais, mais j'aimerais bien lui mettre un petit quelque chose, mais je vais regarder parce que là, je ne sais pas trop. Peut-être que je mettrai aussi du 4, parce que je vois qu'il y en a un petit peu là, là, il y en a un petit peu là, il y en a un petit peu sur cette oreille ici. Peut-être que j'en mettrai quelques points par-ci, par-là, mais vraiment pas grand-chose. Et c'est tout. Peut-être que je chercherai une petite couleur pour le bout de son nez, mais pas grand-chose. Et je pense que je rajouterai pas plus. Sinon, en noir, on a du 310, si vous voulez mettre un petit peu de AB sur son nez, mais ça fera bizarre. Peut-être juste trouver un petit beige, un petit marron là dans ses poils et ce sera bien. Donc voilà pour cette toile, j'espère vous avoir donné toutes les informations. C'est vrai que c'est une vidéo assez courte, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt. Salut !